Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre avec Colin Neal dans le cadre du festival Effraction. Une deuxième année pour le festival, une deuxième année un peu perturbée forcément par les conditions actuelles. Donc je voulais commencer en remerciant toute l'équipe parce que j'imagine tout le travail que ça a été de tout réorganiser et de nous permettre de discuter comme ça en direct. Donc voilà, un grand merci. Et donc on va pouvoir parler de littérature et de réel, qui est un peu le cadre de ce festival et le roman noir. Notamment, il y a une place importante. S'il y a bien un genre littéraire qui est concerné par le réel, c'est le roman noir. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de pouvoir échanger avec Colin Neal. Donc, Colin, vous avez été dans une vie précédente, ingénieur agronome. Je crois qu'il y a aussi d'autres titres derrière, on pourra en parler. Mais maintenant, vous êtes surtout auteur. Vous avez vécu 6 ans en Guyane dans le cadre de la création du parc amazonien. Et puis est venue l'écriture et la série guyanaise qui a marqué votre entrée dans le polar. Et puis ensuite un roman qui s'appelle « Seules les bêtes » qui a été adapté au cinéma. Et puis là, tout récemment, ce livre qui est derrière moi, « Entre fauves » avec cette belle tête de lion, « Entre fauves » qui nous emmène en Namibie avec plusieurs personnages, plusieurs voix. Des voix qui s'entrecroisent, des lieux qui s'entrecroisent aussi, puisqu'on est à la fois dans les Pyrénées, avec un garde forestier qui a la passion de son métier et la rage aussi, on parlera de sa rage, et puis un personnage de jeune fille, une jeune chasseuse, et puis un jeune berger que l'on suit aussi en Namibie. Voilà un petit peu le cadre du livre dont on va discuter, même si on évoquera aussi les autres. Mais j'ai envie qu'on commence en revenant un peu aux origines, qui est celui de ce métier que vous avez exercé et qu'on imagine, en tout cas moi, je me dis, ingénieur agronome, c'est un métier scientifique qui donne un cadre, une façon de travailler. Et est-ce que déjà ce métier-là vous a donné une méthodologie, une rigueur, une façon de travailler qui vous a aidé dans l'écriture ? Bonjour d'abord, et bonjour à tous ceux qui nous regardent, même si je préférerais qu'on se voit en vrai, mais c'est quand même... Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui, c'est vrai, moi, avant d'écrire, d'abord j'ai fait des études scientifiques, et j'ai travaillé pendant 12 ans dans le domaine de l'écologie, enfin de la préservation, on disait la nature à l'époque, aujourd'hui on dit plutôt la biodiversité. Pendant 12 ans, j'ai travaillé dans les parcs nationaux, donc en Guadeloupe, en Guyane et à Paris aussi. Donc j'étais vraiment sur le côté un peu l'écologie opérationnelle, quoi, l'écologie de terrain ou administrative. Alors j'avais un profil scientifique, mais en vérité, mon travail au quotidien, c'était quand même assez peu scientifique. C'était peut-être 10-20% de scientifique. Le reste, c'était quand même beaucoup de l'humain, quoi. C'était beaucoup du l'écologie sur le terrain. C'est quand même souvent ça, hein. C'est de la négociation, c'est de la discussion, c'est des compromis. Voilà, c'est vraiment ça. Donc j'avais un rapport à l'humain important, en fait. Pas de la paperasse. Moi, j'imaginais de la paperasse, des documents. Ouais, beaucoup de paperasse aussi. Beaucoup de paperasse aussi. Beaucoup de paperasse, mais qui touchait. Enfin, c'est-à-dire que souvent la question de mettre en œuvre une politique en écologie sur le terrain, il y a la question scientifique et après on confronte ces données scientifiques à la situation et notamment aux hommes qui habitent sur ce territoire. Donc c'est quand même beaucoup de travail avec les gens, avec les habitants, qu'on parle d'habitants d'un territoire, de chasseurs, d'opérateurs touristiques, d'opérateurs même miniers en Guyane. Donc c'est beaucoup de discussions avec tous ces gens-là, en fait. Et oui, je pense que
En fait, je ne m'en rendais pas forcément compte au départ, mais plus le temps passe, plus je m'en rends compte. Je pense que ce passé professionnel influence beaucoup mon travail d'écriture aujourd'hui. De deux manières, je pense d'abord dans le choix des sujets que je vais traiter. Bon, entre Fauve et je pense le roman que j'ai écrit qui est le plus porté sur les questions écologiques. Mais de manière générale, le rapport des hommes à leur territoire, au milieu naturel qui les entoure, c'est des questions qui sont assez présentes, je pense, dans mes romans et qui très probablement viennent de mon passé. Et dans la manière de travailler, l'approche scientifique, la méthode, peut-être, ça je ne pourrais pas vraiment vous le dire, mais très, ouais, très probablement. Ouais. Oui, on peut peut-être pas toujours analyser ce qu'on Non, fait, c'est ça. mais occupé à le faire, donc c'est tant mieux quelque part. C'est Mais ça. alors donc ce premier tome, oh, stop, pause. Ma tasse Dragon Ball Z. Superbe. Il me quitte jamais. Il fallait absolument qu'on la voie. C'est ça. C'est sérieux, un auteur, hein, ça a des outils de C'est ça. travail, C'est très comme on le important. voit. Donc cette série guyanaise, on en parlait, marque l'entrée en littérature, on va dire, avec un premier tome qui s'appelle Les hamacs de carton. Et vu qu'on est quand même dans un chantier de fouilles, hein, on va essayer de parler de comment on nourrit une fiction, comment on nourrit des textes. Et donc, vous vivez en Guyane pendant 6 ans, et on se dit, bah, la matière, elle est déjà là, elle est sous vos yeux avec les gens, avec ce travail, avec la création du parc. Donc quelque part, là, il y a pour le coup pas de recherche à faire particulière pour écrire ce premier roman. Il n'y a plus qu'à puiser dans ce qui est sur place. Alors, je pense que, enfin, il y a un peu de vrai là-dedans, c'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas si c'est valable pour les autres auteurs, mais pour ce qui me concerne, plus j'écris, plus je m'éloigne de ma zone de confort. Et c'est vrai que le premier roman, Les hamacs de carton, alors évidemment, l'histoire est totalement fictive, mais les sujets dont je parle, c'est des sujets que j'ai eu l'occasion d'aborder dans ma vie professionnelle ou personnelle. Quand j'étais en Guyane, donc c'est effectivement Les hamacs de carton. Je pense que c'est le roman qui m'a demandé le moins de documentation. Tous ces problèmes de papier, voilà, de ces jeunes qui sont nés sur le fleuve, à la frontière entre la Guyane et le Suriname, et qui ont le malheur d'être nés du mauvais côté du fleuve et qui ont des difficultés incroyables à obtenir leur papier français. C'est des choses que j'ai connues. J'ai une amie qui s'est retrouvée dans cette situation, que j'ai accompagnée. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu au quotidien. En revanche, dans les hamacs de carton, il y a toute une dimension sur les rituels funéraires chez les Noirs marrons et tout ce que ça implique, tant en termes sociaux que de pression sur les individus. Ça, c'était quelque chose que je connaissais de manière assez vague. Et là, j'ai eu un travail documentaire qui n'a pas été très important, mais je me suis quand même pas mal documenté pour coller à la réalité de ces rituels. J'avais déjà quand même cette envie que le lecteur soit immergé dans ces rituels et que le roman soit rythmé dans sa construction, soit rythmé par le déroulé de funérailles noir-marron. Ouais. Et puis, bon, 4 romans qui se passent en Guyane. Et ensuite, avec Seules les bêtes, on revient en France, hein, notamment dans le Massif central, si je me souviens bien, avec ses plateaux, la montagne, l'Écosse et la solitude de l'homme au milieu de la nature. On est dans une période où on est un peu empêché de pas mal de choses, notamment de voyager. Donc je me demandais si pour vous, raconter une histoire, et notamment avec des lieux et des cadres aussi particuliers, ça passait par le fait d'être sur place, de s'y rendre un minimum, ou quelque part la technologie, les moyens qu'on a maintenant pour voir une carte sur Internet, prendre des informations, pourraient se substituer à ces expériences de terrain pour aller se nourrir de la matière et de la ressentir, quoi. C'est une bonne question à laquelle j'ai pas de réponse précise. Je connais ma manière de travailler, mais je pense que c'est très différent pour d'autres auteurs. Moi, j'ai une tendance effectivement à me documenter beaucoup et à aller sur place. C'est-à-dire que quand je commence un livre, j'ai une partie documentaire de lecture qui est importante. Je lis à peu près tout ce qui a pu être écrit sur le sujet.
dont je veux parler. Mais je ressens ce besoin d'aller sur place, d'abord pour voir les lieux, mais surtout pour rencontrer les gens. C'est-à-dire que quand je fais, que ce soit en Guyane, en Namibie, ou dans les Pyrénées, ou dans l'Écosse pour Seules les Bêtes, j'ai besoin d'aller sur place et de rencontrer des gens. Et donc, ça passe par beaucoup, beaucoup d'entretiens. J'aime voir les personnes dont je vais parler, même si mes personnages sont fictifs, mais ils sont quand même toujours inspirés d'une certaine réalité. J'aime les voir parler, j'aime les voir la manière qu'ils ont de s'exprimer, les expressions qu'ils utilisent, la manière qu'ils ont de voir le monde qui les entoure à travers ces entretiens. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. À partir de là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Ça, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Pour moi, c'est important. Est-ce que je le fais parce que ça me plaît? Est-ce que je le fais parce que je ne suis pas capable de faire autrement? Ça, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Mais effectivement, moi, tous mes romans passent par cette phase-là. Dans la mesure du possible. Parce qu'il y a quand même des lieux dont je parle dans mes romans où je ne suis jamais allé. Je pense dans Seules les Bêtes, il y a toute une partie qui se passe dans une grosse mégalopole d'Afrique de l'Ouest. Potentiellement Abidjan, même si je ne la cite jamais dans le roman. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je ne la cite jamais, c'est parce que je n'y suis pas allé. J'avais l'envie d'y aller et je n'ai pas pu y aller, notamment pour des raisons financières. Et donc, effectivement, voilà, toute cette partie à Abidjan, elle est écrite uniquement par source documentaire, donc lecture, Internet, Facebook, réseaux sociaux. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, des documentaires, des reportages. Avec regret, hein, parce que j'aurais bien voulu y aller, mais c'était pas possible. Mais c'était intéressant comme exercice, parce que c'est pour le coup quelque chose que j'avais jamais fait. De créer toute une... Alors, c'est pas tout le roman qui se passe là-bas, sinon j'aurais eu un peu plus de mal, mais d'avoir toute une partie de l'histoire qui se déroule dans un territoire ou dans un lieu que je ne connais pas, même si je suis déjà allé dans d'autres villes d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, on fait des raccourcis. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à aucun moment dans le roman, je dis qu'on est à Abidjan. C'est-à-dire que, voilà, je garde un flou sur cette question-là qui permet, pour le coup, de prendre un peu de distance par rapport à la réalité et du coup de regagner, en tant qu'auteur, de regagner un peu de liberté aussi dans l'écriture. J'aime pas beaucoup faire ça, mais voilà, ça arrive, bien sûr. Oui, et puis c'est des choix effectivement personnels par rapport à l'écriture et à ce besoin de sentir les choses ou pas. Et puis, oui, de savoir à quel point, et de savoir aussi à quel point on va ancrer le roman dans la réalité, je pense aux lieux, par exemple. Voilà, Seules les Bêtes, c'est valable pour Abidjan, mais c'est valable pour toute la partie sur le Causse Méjean. Moi, j'avais le Causse Méjean en tête, j'avais vraiment les villages, Florac, j'avais tout ça très précisément en tête. Mais pour le coup, je ne le dis jamais dans le livre, parce que je pense qu'il y avait de ma part aussi une envie que cette histoire, on puisse imaginer qu'elle puisse se passer un peu n'importe où. Ce qui est pas toujours, voilà, ça dépend aussi quel est le projet, quoi, qu'est-ce qu'on veut raconter. Je pense que mes romans en Guyane sont vraiment des romans ancrés dans la réalité socio-culturelle de la Guyane, et donc je cherche à coller au maximum à la réalité. Dans Seules les Bêtes, la recherche n'était pas tout à fait la même, donc cet ancrage territorial en citant des noms de rues, enfin, où on pouvait être très précis, n'était pas nécessaire, il me semblait, dans Seules les Bêtes. On va revenir un petit peu en France et dans les Pyrénées avec Entre Fauves, à commencer peut-être par le personnage de Martin, qui est celui par lequel on rentre dans l'histoire, d'ailleurs, si je me souviens bien, qui est le garde forestier qu'on voit dans ces montagnes et qui fait découvrir un peu ce décor magnifique et l'histoire du lieu où il travaille avec ses collègues. Ils ont sans doute tous en commun un goût de la nature, mais pas un même degré d'inquiétude par rapport à l'état actuel de la nature. Et lui, vraiment, il porte une rage qui va le mener loin, on va le voir dans le livre. Et à travers lui, il y a notamment l'histoire de l'ours Camel, qui est donc cette fameuse ours qui a été tuée en 2004, 4. Il me semble. Qui donc, a été un traumatisme assez important pour
pour Martin notamment, puis pas que, on connaît tous cette histoire selon l'âge qu'on avait à l'époque. Et de Canet, on va aller vers l'Afrique et ce lion qui s'appelle Charles, il est nommé dans le livre, il est nommé et il a une voix d'ailleurs, on en parlera. Et je me suis demandé si c'était un parallèle voulu, cette mise en perspective des deux animaux, la disparition de Canet en 2004, le personnage de Charles, ce lion en Namibie, alors que le lion, je crois, a une situation un petit peu différente en Namibie. On parle quand même d'une espèce menacée. Comment ce rapport s'est fait et le choix de Canet était tout à fait voulu? Oui, bah, avant tout, ce que je voulais, c'était quand même écrire un livre sur nos rapports de nous humains à tous ces grands, à tous ces grands mammifères. Et évidemment, je voulais tout ça travailler, à travailler sur les points de vue, comme j'essaye de le faire le plus possible, et voir la différence de rapport qu'on peut avoir, nous, en France, à notre grande faune, en grande partie disparue. Hein, voilà, la grande majorité des grands mammifères d'Europe, on les a fait disparaître, même si aujourd'hui, petit à petit, reviennent, comme le loup, par exemple. Mais toutes ces espèces, l'ours, le loup, le lynx, c'est des espèces qu'on a, nous, Européens, sciemment et méthodiquement fait disparaître, enfin en tout cas essayer de faire disparaître pendant des décennies. C'était vraiment quelque chose d'organisé. Il y avait des primes à la destruction d'un loup, il y avait tout un mythe autour de la destruction des ours. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'organisé, quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des populations résiduelles, même si avec voilà, les efforts qu'on fait aujourd'hui, elles ont un peu tendance à se reconstituer. Le loup est en train de s'étendre. L'ours, alors pas dans la partie dont je parle dans le roman, mais sur d'autres territoires pyrénéens, la population d'ours est en train de se reconstituer à coup de réintroduction. Mais voilà, il y a vraiment eu une organisation de la destruction de ces espèces. En Afrique, on est quand même sur quelque chose, sur une situation qui est encore différente, même si les Européens, à travers les chasses du passé, n'y sont pas pour rien, les chasses de l'époque coloniale. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si on parle du lion, le lion, c'est effectivement une espèce en danger, mais on est quand même sur des effectifs qui restent encore importants. Et surtout, on a une situation du lion qui est très variable d'un territoire à l'autre. Il y a des zones en Afrique de l'Ouest, enfin du Nord-Ouest, où le lion est extrêmement menacé. Mais en Namibie, la population de lions est plutôt en bonne santé, se porte plutôt bien, elle est en expansion depuis 30 ans. Et donc, on est vraiment sur des situations qui sont assez différentes. Autant dans la situation écologique que dans le rapport que les hommes de ces pays entretiennent à ces espèces. C'est aussi ça que je voulais montrer. Le rapport que nous, on entretient à l'ours est assez différent de celui que les Namibiens peuvent entretenir avec le lion. Même s'il y a des points communs, il y a un point commun qui est très fort, qui est celui des dégâts sur les troupeaux, quoi. C'est-à-dire qu'on a, nous, des ours et des loups qui tuent des moutons chez nous, quoi qu'on pense de tout ça, et quelle que soit la situation. Mais en tout cas, c'est un sujet. Et en Namibie, les éleveurs, ils vivent la même chose, quoi. Ils vivent effectivement les nuits qui passent à côté de leurs troupeaux. Moi, j'ai eu des éleveurs en Namibie, quand je suis allé là-bas, qui m'ont raconté ça, qui dorment à côté de leur troupeau et qui parfois se retrouvent avec, pendant la nuit, l'arrivée d'un lion qui va décimer leur troupeau et potentiellement même les attaquer eux-mêmes. Donc, ils craignent aussi pour leur vie. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était tous ces points communs et en même temps ces différences. Et oui, cette mise en regard, elle m'intéressait, c'est certain. Oui, on le sent d'ailleurs tout à fait. Et je pense que là, le moment où on le sent le plus, c'est la fin du livre. Alors, ce n'est pas un livre qui repose sur des rebondissements ou un mystère à dévoiler, mais on a quand même des éléments à la fin qui sont étonnants, enfin des choses qui se passent, qui créent des surprises, et notamment qui font réfléchir, et réfléchir justement sur ces questions de spécificité liées au pays où on vit et au rapport qu'on a à l'animal, bien sûr, dans notre quotidien à nous, n'est pas le même, l'animal n'est pas le même que pour le jeune berger africain qu'on pourrait juger cruel, mais qui lui est soumis à d'autres conditions d'existence qui vont lui faire prendre d'autres décisions. Et
cette dualité, cette ambiguïté est très intéressante et j'imagine qu'elle était aussi voulue et fait partie notamment d'ailleurs du genre hein, de pas se cantonner à un manichéisme, mais vraiment d'amener une réflexion et d'amener à ressentir ce que peuvent être les personnages. Oui, alors voilà, on arrive. Enfin, c'est vrai que c'est un roman qui nous parle de chasse, hein, et notamment de la chasse aux trophées, qui est une activité sur laquelle beaucoup d'entre nous ont un avis très tranché, parce qu'il y a quelque chose de, à travers ces photos de chasse qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, quelque chose de très violent, je pense, qui nous atteint tous chaque fois qu'on les voit. Moi, ce qui m'intéressait, et je pense que c'est l'intérêt du roman, et tout particulièrement du roman noir, c'est justement de ne pas faire un roman qui soit à charge ni pro-chasse ni anti-chasse, mais justement un roman qui évolue dans la zone grise qui est entre les deux. Ces moments où la notion de bien et de mal se mélange, où on se demande en fait finalement qui sont les méchants, qui sont les gentils, est-ce que ça a vraiment du sens? Qui est le chasseur, qui est le chassé, qui est le prédateur, qui est la proie? C'est ce que j'avais vraiment envie, c'était d'écrire un roman où on a quatre personnages, hein, les trois dont vous parliez tout à l'heure, plus plus le lion, et que en fait à divers moments du livre, les rôles puissent s'inverser, qu'à aucun moment on puisse être certain de savoir qui est vraiment le prédateur et qui est vraiment la proie. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le roman noir, quoi. Écrire quel que soit mon avis sur la question, écrire un livre qui aurait été vraiment à charge contre la chasse aux trophées et pour dénoncer la chasse aux trophées, moi, c'est pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a plein d'autres lieux pour le faire, il y a plein d'autres moyens d'en parler. Mais pour moi, le roman, et notamment le roman noir, il devient intéressant quand il s'affranchit justement de ce manichéisme et de cette prise de position pour commencer à emmener le lecteur dans des situations plus inconfortables où on commence à où nos certitudes peuvent être un peu mises à mal. Et je trouve que c'est vraiment là que ça commence à devenir intéressant, quoi. Quand on rentre dans la nuance et qu'on commence à se dire, ah, bah, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je pensais, sans forcément changer d'avis. Mon but n'est pas du tout de faire changer les gens d'avis, hein. Mais en tout cas de voilà d'amener un petit peu de doute. Et puis surtout, comme vous le disiez, on travaille sur les émotions, on travaille sur les personnages, d'amener le lecteur à se retrouver. Et je pense qu'il n'y a que la littérature qui peut faire ça, à se mettre dans la peau de personnages qui sont infiniment éloignés de ce qu'ils sont et potentiellement même qui peuvent exprimer une forme de dégoût, quoi. Je pense à la chasseuse. Mettre le lecteur dans la peau de la chasseuse au moment où on a le lion en face de soi et où on a cette décision à prendre sur je tire ou je tire pas, amener le lecteur dans cette situation-là. Ouais, ça m'intéresse et je pense que c'est là que la littérature noire devient intéressante. Alors sur le lecteur, moi je peux donner un point de vue de lectrice, effectivement ça interroge et ça fait sacrément réfléchir. Notamment vraiment ça tient à la fin de ce roman qui fait prendre, enfin on n'en parlera pas, mais qui fait prendre plusieurs pistes aux personnages, dont des pistes surprenantes qui fait réfléchir sur différents sujets. On parlera d'Internet un petit peu plus loin. Ouais. Mais c'est Mais assez je voulais. troublant de voir, j'ai jamais eu ça, hein, les réactions des lecteurs sur ce livre, elles sont assez étonnantes en fait, parce que j'ai des choses très très variées. J'ai des anti-chasses qui m'ont écrit des lettres en me félicitant de dénoncer la chasse aux trophées dans ce roman. D'autres anti-chasses qui au contraire me reprochent de faire l'apologie de la chasse et l'apologie des armes, des chasseurs qui me disent, ah, enfin, vous remettez la chasse à sa place, des chasseurs qui m'accusent. Donc j'ai vraiment des interprétations très, très variées. Certains qui m'écrivent en me disant, mais finalement, t'es quoi? T'es pro-chasse ou t'es anti-chasse? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et à vrai dire, quand je vois ça, je me dis que j'ai réussi, quoi. C'est ce que je voulais, justement. C'était justement, voilà, naviguer entre les deux et ne jamais prendre parti. Oui, si on s'interroge sur l'opinion de l'auteur en lui-même, c'est que elle a réussi à s'effacer derrière les personnages et derrière l'histoire. Exactement, exactement. Effectivement, c'est pas plus Pour mal. moi, c'est vraiment ça l'objectif d'un roman, c'est que, enfin, en tout cas de ce que j'écris, c'est que moi, en colonial, je disparaisse au profit des personnages, quoi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas mes idées à moi, c'est les leurs, quoi, vraiment.
Et justement, il y a peut-être une façon d'écrire qu'on ressent beaucoup dans vos livres, c'est ce mélange des voix, c'est-à-dire qu'un chapitre, on suit un personnage, c'est de la narration à la première personne aussi, ce qui fait que directement, aussi en tant que lecteur, on colle au plus près du personnage qu'on va suivre. Ce sont des voix propres à chacun aussi, en termes d'écriture, ça doit être quelque chose. Par exemple, on est du côté d'Apolline. Apolline, c'est une jeune fille de bonne famille qui fête ses 20 ans. Son papa lui réserve une grande surprise. C'est son anniversaire et elle va effectivement avoir ce cadeau qui est cette chasse, entre autres, que lui offre son père. Donc, ça vous demande, vous, de vous mettre dans la peau de cette jeune fille, de vous mettre dans la peau du jeune berger. Et c'est bon, applicable ce que je dis à tous les personnages de vos différents romans. Et je me demandais, qu'est-ce que ça peut changer chez vous aussi? Est-ce que ça peut, alors on en a un peu parlé après, mais vous faire changer d'opinion ou de point de vue sur certains sujets, ou bon, ça va quand même pas jusque-là, cet aller-retour de l'influence de l'écriture sur la personnalité? C'est une bonne question. Je m'interroge des fois, enfin, c'est des questions que je me pose parfois. Alors, ce qui est certain, c'est que quand on écrit un roman et qu'on se documente beaucoup sur un sujet, notre vision de ce sujet, elle évolue forcément, parce qu'on va plus loin, on creuse la question. Ensuite, le fait de se mettre dans la peau de personnages qui potentiellement pourraient être un peu éloignés de ce que je suis. Est-ce qu'elle me fait changer d'avis? Je crois pas. Je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je crois qu'au contraire, le fait d'écrire et notamment de créer des personnages et d'essayer, en tout cas, de les faire vivre et de se mettre, voilà, et de se glisser en eux, je pense au contraire que ça m'aide à donner du sens, en fait, à toutes les voix et à toutes les opinions contradictoires qui peuvent me traverser. Je pense qu'on est quand même tous. Alors évidemment, il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des avis très très tranchés, mais il y en a d'autres. Et pour moi et chez moi, il y en a beaucoup sur lesquels ma position peut être plus nuancée, peut être traversée d'évolutions contradictoires en fonction des personnes avec qui je vais parler, qui vont réussir à me convaincre. J'ai l'impression parfois d'être quelqu'un de très influençable. Je parle avec quelqu'un, je dis oui, t'as raison. Puis je parle avec l'autre, oui, t'as raison. Parce qu'effectivement, mais je pense qu'on est un peu tous comme ça. Si on écoute un petit peu, à moins qu'on soit un peu borné, mais je pense que tous, on écoute un petit peu des voix et on est tous traversés par des doutes, par des contradictions. Et je pense que écrire et me mettre dans la peau de ces personnages m'aide au contraire à donner de la cohérence à tout ça et à donner du sens. À ces voix contradictoires qui sont en moi, je pense. Le personnage d'Apolline, j'aimerais qu'on l'écoute un petit peu, qu'on le découvre à travers un petit passage que j'avais repéré en termes de lecture. On a échangé sur le sujet pour se réserver un petit temps comme ça de cette page 30. Si on peut la lire maintenant, si vous l'avez chez vous, vous pourrez aussi la suivre en même temps, qui va me permettre de parler de deux, trois autres choses après. Donc on est au tout début du roman, pendant la fête d'anniversaire d'Apolline. Très vite, je me doute de ce que c'est. Je commence à déballer pendant que les invités chuchotent entre eux, mis dans la confidence par papa et Amaury. Je retire l'immense papier cadeau, découvre la valise noire et rectangulaire, défais les quatre fermetures pour l'ouvrir en grand devant tout le monde. Et enfin, je saisis l'arc par le grip, étonné par sa légèreté. Waouh, papa, il est canon. Sérieux, c'est exactement le modèle d'arc à poulie dont je rêvais pour remplacer mon Stinger extrême évolutif que j'utilise depuis l'adolescence. Un Matthews Avail. Un compound dernière génération, le genre high-tech, léger et compact, conçu spécialement pour les femmes, avec deux cames au lieu d'une sur le Stinger. Les tests que j'ai pu lire sur Internet parlent d'une vitesse allant jusqu'à 320 pieds secondes et d'une précision inégalée. Un bijou d'archerie. Il est calé sur quelle puissance? 50 livres, dit papa.
Et la longe est déjà réglée, précise Apolline. 26 pouces, 26 pouces, taille Apolline. C'est canon. En vrai, c'est trop canon. C'est la voix d'Apolline, pour qui on a un peu de sympathie dans cette scène d'ailleurs d'anniversaire. Elle est fraîche, elle est contente, il y a sa famille, elle a ce super cadeau. En lisant, moi j'ai pensé à plusieurs choses et notamment je me suis dit, on pourrait dire, bon voilà, c'est son anniversaire, son père lui offre un arc et hop, on passe à autre chose. Là, on rentre dans la description de l'arc, c'est très précis, alors quelque part, c'est aussi peut-être un héritage du roman noir, hein. On connaît certains auteurs qui donnaient des descriptions très techniques, qui aimaient donner des précisions très techniques, des armes, des voitures. Voilà, il y a quelque part un code un peu du genre. Quelle était la part de ce choix de rentrer dans le détail de l'arc, qui est une arme, moi je trouve, je ne sais pas si c'est la mythologie du cinéma et de la littérature, mais c'est une arme assez... qui fait un peu fantasmer, qui est assez formidable. Donc pourquoi tous ces détails sur l'arc plutôt que de dire juste elle a un arc? Je pense que ça tient encore une fois à la question des personnages et des points de vue. La question n'est pas de savoir si moi, en tant qu'auteur, j'ai envie de donner des détails. La question est de savoir est-ce que ces détails ont une importance pour mon personnage. Si cet arc était décrit par n'importe qui, par vous ou par moi, évidemment, il y aurait moins de détails parce que de toute façon, évidemment, on ne les connaîtrait pas. Et d'ailleurs, quand cet arc est décrit par d'autres personnages du roman, parce que ça arrive, lorsque mon jeune éleveur Imba parle de cet arc, lorsque Martin, le garde du parc national, parle de cet arc, évidemment, ils n'ont pas tous ces détails parce qu'ils n'ont pas c'est un vocabulaire qu'ils n'ont pas. En revanche, pour Apolline, qui est une passionnée de chasse et qui s'intéresse notamment à la chasse à l'arc depuis déjà plusieurs années, je suis convaincu que la technique, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Hein, quand on est un peu pointu dans un domaine, on s'intéresse à la technique. Hein, un musicien, quand il va nous parler de sa guitare, il va avoir tout un vocabulaire, toute une manière d'apprécier sa guitare qui nous pourront nous paraître un peu obscures, mais qui pour lui ont un sens particulier et sont essentiels, alors que pour nous, ça pourrait nous paraître des détails. Donc, en se mettant dans la peau d'Apolline, là, il me semblait que c'était important, au contraire, de rentrer dans la technique. Parce que cette technique, elle a du sens, quoi. C'est-à-dire qu'à travers ces mots techniques, Apolline, elle imagine tout de suite ce qu'elle va pouvoir en faire, comment elle va pouvoir l'utiliser, elle se projette. C'est pas des détails qui, à mon sens, sont inutiles à ce moment-là du livre, vraiment. Et autre question, c'est valable d'ailleurs pour Entre Fauves et d'autres de vos histoires, il y a des personnages féminins régulièrement, mais racontés toujours avec cette très grande proximité. Alors, je reste persuadée qu'un auteur peut écrire sur tous les sujets et tout type de personnages. Ce n'est pas tant la question qu'un homme écrive sur une femme, mais que la chasseuse, la figure qui incarne la chasse, soit une jeune femme de 20 ans, par contre, est un choix, non pas qu'on puisse discuter, mais qui peut surprendre. On aurait pu s'attendre à un homme. Alors, il y a son père qui l'accompagne, qui est la figure masculine, mais elle est une jeune fille moderne. Là aussi, c'est une part de choix bien réfléchi. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même de bousculer un petit peu le lecteur dans ses certitudes, quoi. Et quand je crée un personnage de chasseur au trophée, la première image qu'on a, effectivement, on imagine un homme, on imagine quelque chose de très viril, de très testostéroné, avec de la vulgarité. Enfin, en tout cas, c'est les clichés qu'on peut avoir quand on parle de la chasse. Et probablement que, généralement, dans les clichés, il y a toujours une part de vérité, hein, probablement que c'est une part de la vérité. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer de me décaler un petit peu et d'avoir un personnage qui nous bouscule un petit peu dans nos certitudes. Mon but n'est pas de dire que Apolline est représentative de la population des chasseurs au trophée dans le monde. Hein, c'est un personnage. Mais au contraire, c'est de se décaler un petit peu par rapport à l'image initiale qu'on peut avoir.
Et par ailleurs, quand j'écrivais, quand j'ai commencé à écrire entre fauves et à y réfléchir, il y avait des photos de trophées de chasse qui circulaient sur Internet. Et on avait des femmes, hein, je me rappelle de cette femme, cette jeune blonde américaine qui posait en treillis à côté d'une girafe. Voilà une photo qui avait beaucoup ému également. Et c'était assez troublant, quoi. Elle avait un côté très midinette, enfantin, et elle posait avec son fusil à côté de la girafe. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très troublant là-dedans, c'est-à-dire le contraste en fait, entre effectivement ce côté encore un peu adolescente d'Apolline, qui est encore jeune dans sa tête sur plein de sujets, et en même temps l'expérience qu'elle a dans ce domaine de la chasse avec tout ce que ça peut représenter derrière. Donc voilà comment est né le personnage en fait. Okay. La question de justement des photos qui circulent sur Internet, qui va être quelque part un ressort important, hein, qui est un détail, mais qui est un ressort important de l'histoire, parce que c'est ce qui va rapprocher quelque part Martin d'Apolline. Il va se mettre en quête d'Apolline, on peut dire, hein, pour trouver qui est cette jeune femme dont il a vu la photo sur les réseaux sociaux. Ça fait écho aussi à Seules les Bêtes, hein, puisque à Seules les Bêtes, Internet intervient dans cette grande région isolée en montagne, dans la solitude, parce qu'il y a ces fameux brouteurs qui surgissent par les arnaques via Internet. C'est un fil qu'on retrouvait comme ça dans deux romans, c'est les réseaux sociaux, Internet, la technologie. C'est aussi un sujet qu'on a en toile de fond qui irrigue vos histoires. Là, c'est quelque chose de pas voulu, d'inconscient, qui sert l'intrigue, où il y a un vrai regard sur cette technologie. Je sais pas, enfin. C'est un peu difficile à dire quoi. Voilà, je veux dire, les histoires, elles naissent à partir de sujets qui nous touchent particulièrement et dont on a particulièrement envie de parler. Et là, il se trouve que sur ces deux romans, Internet, mais c'est pas tant Internet, ce qui m'intéressait, c'était le passage du virtuel au réel, quoi. C'est-à-dire comment on passe de ce monde virtuel des réseaux sociaux d'entre fauves et des sites de rencontres, pour faire très simple, dans Seules les Bêtes, comment on les confronte au monde réel. Ça, c'est des choses qui effectivement m'intéressent, quoi. C'est vrai que quand j'écrivais Entre fauves, il y avait vraiment cette question du passage du virtuel au réel sur toutes ces personnes qui inspirent un peu la haine sur les réseaux sociaux. Là, c'est pour les trophées de chasse, mais ça peut être pour plein d'autres sujets, et qui s'attirent des menaces de mort ou toutes sortes une sorte de défouloir, en fait, un petit peu pour beaucoup de monde, à Qui travers des transforme les gens en commentaires. chasseurs, d'ailleurs. Voilà, mais en chasseur virtuel. Et la question que je me posais, c'était effectivement, on déverse un peu comme ça sa haine sur les réseaux sociaux, mais si on se rend compte que la personne sur laquelle on est en train de déverser sa haine, en fait, c'est notre voisine, quoi, qu'elle habite sur le palier, qu'elle habite juste à côté, ou notre voisin, comment on passe du virtuel au réel? Est-ce qu'on va aller mettre en application les menaces qu'on a mises de manière assez simple sur Internet, ou est-ce qu'au contraire, quand on passe d'un monde à l'autre, évidemment, les parois sont étanches et ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est quand même je trouve que c'est une question qui est importante, quoi. Et puis, je veux dire qu'en plus, qu'a fait écho, enfin, je veux dire, dans l'actualité, l'affaire Samuel Paty, je veux dire, c'est ça, hein, je veux dire, c'est comme ça que ça commence. Et à partir de quand on passe des insultes ou des menaces sur Internet à la vraie vie, quoi, et potentiellement à des drames. Oui, je pense que ça me parle. Après, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose que je continuerai à explorer éternellement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un point commun à ces deux livres. Ouais. Oui, puis on y pense aussi, parce que ça revient régulièrement, notamment sur le sujet de la chasse. Je pense à cette vidéo qui a circulé avec cette fameuse image du sanglier Ouais. abattu à bout portant. Ce sont aussi des supports pour faire connaître certains travers et Ouais. certaines méthodes. Oui. Mais ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est la confrontation justement entre le virtuel et le réel, quoi. Parce qu'effectivement, si on parle d'écologie, par exemple, sur les réseaux sociaux
on est tous d'immenses écologistes, mais comment ça se passe quand on est sur le terrain, quoi? C'est-à-dire que on est évidemment sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple d'un prédateur qui est le loup, hein, parce qu'il cause des dégâts sur un territoire plus grand que l'ours. Voilà, sur les réseaux sociaux, on est tous pro-loup, hein, évidemment. Mais sur le terrain, c'est quand même une autre histoire, quoi. Enfin, moi, évidemment, je suis pour l'extension de la population de loups et je me réjouis de ce que ça. Voilà, du retour du loup en France, je m'en réjouis vraiment. Mais quand on passe sur le terrain et qu'on commence à aller discuter avec les éleveurs qui ont vu leurs troupeaux attaqués par des loups, je ne dirais pas qu'on change d'avis, mais en tout cas, on voit les choses quand même un peu différemment. Et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant et inquiétant aussi. C'est-à-dire, l'écologie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe, enfin, en tout cas, pas uniquement. Ça se passe sur le terrain. Et beaucoup d'écologistes et beaucoup d'associations écologistes le savent, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est ce qui était important aussi dans le personnage de Martin. On parlait d'Apolline avec cette espèce de décalage, effectivement, du fait de prendre une femme. Sur Martin, j'avais aussi cette envie-là parce que on a quand même là un anti-chasse écologiste convaincu présent sur les réseaux sociaux et l'image qu'on en a priori ou l'image que les chasseurs par exemple veulent nous donner, c'est qu'en gros c'est que des citadins collés derrière leur écran qui n'ont jamais mis un pied dans la nature. Moi, ce qui m'intéressait au contraire, c'est d'avoir un personnage qui bah, il est garde moniteur de parc national. Il a une connaissance c'est un gars de terrain, quoi. Il est sur les réseaux sociaux, mais il est aussi sur le terrain. Et c'est ça m'intéressait aussi. C'est-à-dire on n'est pas dans la caricature de l'écolo rivé à son écran et qui a jamais mis un pied dans une forêt, quoi. Puisqu'on est donc sur ce sujet du chantier de fouilles et de la documentation, au départ, vous disiez que vous aimiez lire sur un sujet tout ce qui s'était écrit avant de l'aborder vous de votre côté. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les auteurs qui écrivent et qui abordent enfin, n'importe quelle thématique. Et il n'y a pas une espèce d'addiction, j'ai l'impression, qui se développe à la documentation, à l'accumulation de sources, à visionner des livres, à visionner des films, à lire tous ces livres-là. C'est plaisant à ce point-là. Ah oui, je pense. Ah oui, moi je pense que clairement, mais j'en parlais un peu tout à l'heure. C'est sûr que moi, quand je me documente sur un livre, pour écrire un livre, que ce soit en lecture ou en voyage, je m'interroge parfois sur à quel moment je suis dans ce dont j'ai besoin pour écrire mon livre et à quel moment je suis dans ce que j'ai envie de connaître et à quel moment je passe la frontière. Et évidemment que je me pose cette question. Et évidemment que je me pose aussi la question de savoir, enfin du risque qu'on a toujours d'être noyé par sa documentation et de ne pas réussir à s'en détacher et de ne pas réussir à faire émerger un roman. Parce que le but d'un livre, quand même, on n'est pas dans un documentaire. C'est quand même une histoire, c'est quand même des personnages qui doivent nous embarquer. Avant tout, c'est ça, c'est la narration. Et il y a des moments où on se dit, est-ce qu'on va réussir à se détacher de cette documentation pour faire du roman, quoi, pour créer du roman? Et moi, ça m'arrive de me la poser cette question. Mais oui, je pense que j'ai une. Oui, il y a ça vire parfois un petit peu à l'obsession. Moi, j'ai des souvenirs dans des voyages, effectivement, que je faisais, ou de poser des questions. Pour Entre Fauves, il y a une anecdote assez drôle là-dessus, quoi, quand j'étais en Namibie pour écrire. Pour préparer Entre Fauves, j'étais parti avec mon frère en Namibie, mon grand frère. J'ai été pris par une obsession qui était les clôtures, c'est-à-dire les enclos dans lesquels les éleveurs parquent leurs bêtes. Et donc j'en ai vu pas mal parce que j'ai interviewé pas mal d'éleveurs. Et c'était devenu une obsession, c'était la forme de ces clôtures et surtout quel type de bois, quelle essence de bois ils utilisaient pour faire leurs clôtures. Et chaque fois que je rencontrais un éleveur, je lui disais, mais vos clôtures, elles sont bien en mopane ou est-ce qu'elles sont en acacia? Enfin, je leur demandais je leur posais des questions comme ça. Et mon frère me regardait, me dit, mais t'es complètement fou, on s'en fout. T'écris un roman, t'écris pas une thèse. Et il se moquait de moi à chaque fois qu'on voyait une clôture. Il me disait, elle est en quoi cette clôture? Et oui, donc là, je pense qu'effectivement, ça virait à l'obsession. Je sais pas en fait si c'est une obsession ou est-ce que ça a du sens.
C'est des questions qu'on se un pose. souci du vrai, de toute façon. Oui, enfin, il y a un souci du vrai, il y a un souci du détail. C'est vrai que je suis attaché aux détails. Je pense que les détails sont importants. Je pense que parfois des choses qui peuvent nous paraître de l'ordre du détail ou au contraire ont une importance très grande sur cette question de raconter le réel. Je pense parfois que les détails ont plus d'importance que les grandes généralités. Je pense souvent cet exemple de. Je pense que quand j'écrivais sur le ciel effondré, là, qui nous parlait des Indiens Wayana sur le haut Maroni en Guyane, je pense que dire que chez les jeunes Amérindiens, certains ont une écharpe de l'OM accrochée dans leur chambre et d'autres une écharpe du PSG, je pense nous dit plus de choses sur le rapport de ces jeunes Amérindiens à la métropole, enfin à la France, enfin à la République française. Que beaucoup de généralités, en fait. Je trouve qu'à travers des petits détails comme ça, en fait, on perçoit parfois des choses, et en fait, c'est pas du tout des détails. Et alors, on pourrait se poser la question, peut-être que pour d'autres détails, c'est beaucoup moins important. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important. Je suis à l'affût dans mes voyages et dans mes lectures. Je suis à l'affût des petits détails qui vont donner une touche de réel en plus. Au livre et parfois nous faire comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas autrement. On va prendre quelques questions des gens qui nous écoutent. Ah. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Je ne suis pas la seule à pouvoir vous interroger. Et il y en a notamment une, donc je vais la lire. Est-ce que vous pensez un jour vous essayer un autre genre littéraire? Est-ce Un que vous autre vous genre que posez le autre, que tu le veux dire écrire roman autre noir? chose qu'il y a des livres? Non, que le roman noir, j'imagine, que le polar. Enfin, après, c'est toute la question de la définition des genres. Mais Bah, bon, c'est vous êtes ça, quand c'est-à-dire même que dans le. oui, mais moi quand j'écris un livre, je pars pas en disant je vais écrire un roman noir, hein, je pars en disant je vais écrire un livre. Est-ce que entre fauve et un roman noir, peut-être, mais j'en suis personnellement pas certain. Enfin, je pense que vraiment cette question du genre, en tout cas dans mon travail, elle n'a pas beaucoup de sens, quoi. Je réfléchis pas comme ça. Savoir si mon livre doit être classé en roman noir ou en roman policier ou en littérature dite blanche, je considère que c'est pas mon travail. C'est le travail de l'éditeur, du libraire, enfin voilà, de tous les professionnels du livre qui arrivent après. Si on commence à écrire un livre en se disant déjà je vais écrire un roman noir ou je vais écrire un roman policier. En fait, on se restreint dans notre travail d'écriture. Et moi, j'essaye Alors, de ne pas faire ça. Entre fauves, à mon avis, pourrait tout à fait être classé en littérature dite générale. De même qu'il y a beaucoup de livres de littérature générale qui pourraient être classés en littérature noire. Tout ça, c'est un peu artificiel, hein. est-ce qu'à l'inverse, du coup, la bonne question, enfin, pas la bonne question, mais l'autre façon de la poser, ce serait parce qu'il y a un genre littéraire que vous ne pourriez pas écrire. La SF, par exemple. Non, je pense pas. Enfin, la science-fiction, moi j'adore la science-fiction, j'en ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, c'est un genre que j'adore. Si j'en écris pas, c'est parce que pour l'instant je m'en sens pas capable, parce que la SF, c'est moi qui en plus ai un travail d'une écriture du réel qui colle vraiment au réel, qui s'appuie souvent sur une documentation importante. La science-fiction, c'est pour moi, c'est le summum justement de l'imaginaire, même si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a souvent une part de réel dans la science-fiction, mais ça nécessite un travail de construction de monde et d'imaginaire qui me semble pour le moment, en tout cas, hors de portée. Mais ça ne veut pas dire que ça m'attire pas et ça veut pas dire que je le ferai jamais. Ok, donc on a une autre question. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui. Est-ce qu'on a possibilité d'avoir des détails ou est-ce que c'est... Non, j'ai toujours un petit peu de mal, j'avoue, à parler de mes livres tant qu'ils ne sont Ouais. pas très avancés. Mais oui, je suis engagé là dans l'écriture d'un nouveau roman, qui est quelque chose de très nouveau, d'assez nouveau pour moi, je vous avoue. C'est un roman qui se déroule en Guyane, ou plutôt en Amazonie, mais qui n'a rien à voir avec ma série guyanaise, où on ne retrouvera aucun de mes personnages. Et qui est un roman, je pense,
plus intime et avec beaucoup moins de personnages que je n'ai eu l'habitude de créer d'habitude. Et voilà. Je voudrais Ok. pas vous en... Enfin, j'ai un peu de mal à en parler. Faut pas, hein. C'est trop tôt. C'est Ça trop garde tôt. un peu de mystère et on verra C'est plus trop tard. tôt, je pense. Mais je... Voilà, une... enfin, j'aime ça. Le projet me plaît. Le livre, je sais pas encore. On va voir ce que ça va donner. Ah, Mais... j'espère que oui, qu'on démarre à l'écriture avec un projet qui plaît et C'est pas ça. avec un boulet au pied. Exactement. Mais moi, Exactement. je me demandais, on vit quand même une époque assez particulière depuis un an, et là, on parle de littérature et de réel. À quel point dans l'écriture, le contexte dans lequel on est, vous pèse? Est-ce qu'on va imaginer, vous va retrouver des personnages masqués dans vos romans, ou est-ce que l'écriture permet de se dégager de tout ça? Je ne sais pas, pour l'instant, moi, la crise qu'on traverse aujourd'hui ne m'inspire rien en termes littéraires pour le moment, mais ça viendra peut-être après. Non, enfin, pour l'instant, je suis pas là-dessus. Je pense qu'on est encore trop dedans. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de réussir, mais comme je pense beaucoup de monde, hein, à s'extraire de toutes ces contraintes qui pèsent sur nous pour essayer de garder un semblant de vie normale. Mais je veux dire, c'est très commun, hein, comme tout le monde, on a chacun nos problèmes et nos difficultés. Enfin, on traverse chacun ça à sa manière. Ce que, non, enfin, ce que, ce, la contrainte et ce que m'inspire le plus la crise actuelle, c'est plutôt une question d'ordre géographique, parce qu'effectivement, les voyages aujourd'hui sont contraints et très limités, ce qui peut contraindre à reporter en tout cas des projets de romans qui impliqueraient un travail de recherche lointain important, ça c'est sûr. Ok. C'est pas aujourd'hui qu'on peut imaginer d'écrire un roman en Antarctique et de partir là-bas, quoi. Même si c'est pas dans mes projets, mais Peut encore que en l'imaginer, Antarctique, mais c'est peut-être pas là qu'on risque le plus, mais pour se disons que voilà. déplacer, Donc il faudra attendre. ouais, c'est ça. Donc ça, effectivement, c'est des contraintes plutôt d'ordre matériel aujourd'hui qui s'imposent à nous auteurs. Et puis, ce qui est difficile, je pense, pour nous auteurs aujourd'hui, c'est le manque de contact et de rencontre avec le public. Alors heureusement, on a ce genre d'événement virtuel, mais je veux dire, je vois pas les gens à qui je parle. Et ça, c'est compliqué parce que j'avoue que moi, les rencontres sur des salons et en librairie, même encore plus, c'est des moments qui sont importants parce que l'écriture est quand même un travail qui est déjà très solitaire. On est quand même très souvent seul. Et donc, ces rares moments de rencontre avec les lecteurs, ils sont, ben pour moi, ils sont importants. Et donc, en ce moment, ils manquent, c'est vrai, c'est certain, mais bon. Il y a des gens qui souffrent plus de tout ce qui nous arrive aujourd'hui que nous, Oui, enfin, que moi en tout cas, quoi. Donc, il y a des degrés, mais bon, il n'empêche qu'il y a des désagréments. Mais voilà. bon, on va se donner rendez-vous pour bientôt, on espère, des rencontres J'espère. en présentiel, comme on dit, pour se retrouver tous en chair et en os. Et on va en rester là pour cette rencontre. On va passer le fil, l'antenne aux autres invités. Il y a des rencontres à suivre tout l'après-midi dans le cadre des fractions. Donc merci beaucoup, Colin. Merci à Merci tout le à monde de vous. nous avoir écoutés. Passez une bonne journée et à Et très merci à bientôt. toute l'équipe des Fractions. Au revoir. Au revoir.